Il était le dernier président de l'apartheid, mais aussi un pur produit de ce système raciste. Il était aussi le dernier président blanc d'Afrique du Sud. Frédéric de Klerk est mort. C'est lui qui avait libéré en 90 Nelson Mandela avant de partager avec lui le prix Nobel de la paix. Frédéric de Klerk avait 85 ans. Les premières réactions à sa mort ont un peu tardé. Son héritage étant à la fois important et inégal, a décrit la fondation Nelson Mandela. On en parle avec vous, Kofi Kouakou. Bonjour et merci d'intervenir sur France 24. Vous êtes chercheur au Centre d'études Afrique-Chine à l'université de Johannesburg. Quelle est l'image qui restera de Frédéric de Klerk en Afrique du Sud? En gros, ce serait une image assez controversée, mais aussi une image bouleversante. Et je dis controversé parce qu'il y a vraiment plusieurs camps, surtout à deux camps très importants qui s'opposent déjà contre cette image-là. Et cet héritage sera toujours controversé. Il y en a qui voient déjà F.W. de Klerk comme un des géants de l'apartheid, un des constructeurs qui ont amené le peuple noir à vivre dans une misère extraordinaire. Donc le monstre de l'apartheid reste toujours un phénomène et un élément très important dans cette image. De l'autre côté, il y a des gens qui voient aussi F.W. de Klerk comme celui qui a permis, qui a retourné son blason politique et qui a permis à l'Afrique du Sud de retrouver une certaine stabilité et qui a relâché en fait Mandela de la prison et a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la République sud-africaine moderne. Mais quand a-t-il senti le besoin d'ouverture, la nécessité du changement? Mais il a dit, en fait, il y a une nouvelle vidéo qui a été diffusée aujourd'hui par sa fondation. Et dans la vidéo, il le dit très bien, bon, on le voit un peu âgé, mais il le dit très bien qu'il a reconnu ça au début des années 90 et il s'est rendu compte que c'était un monstre extraordinaire et qu'il fallait qu'il change. Donc, en fait, comme on dit d'habitude, seuls les imbéciles ne changent pas. Donc il a réussi quand même à changer sa façon de voir le futur de l'Afrique du Sud et de voir comment un pays comme l'Afrique du Sud pourrait plutôt être intégré au lieu d'être séparé. Et c'est vraiment une partie de son héritage qui doit être très considérée. Et est-ce qu'il avait demandé pardon pour les crimes de l'apartheid ? Ben oui, il a demandé pardon il y a un bout de temps quand même. Et dans la vidéo qui a été diffusée par sa fondation aujourd'hui, il a réitéré qu'il demandait pardon. Et ce n'est pas seulement des excuses, qu'il s'était rendu compte qu'il avait tort. Donc c'est vraiment un moment central. Mais à la fois, bon, ceux qui sont un peu cyniques disent que et qui pensent que en fait c'est un monstre aussi, parce que c'est un des créateurs, constructeurs et architectes de l'apartheid. Je pense que c'est une façon de redorer son blason et son héritage et qu'il a trouvé une relation, un système de relations publiques pour permettre de changer un peu son image. Mais quand même, il faut lui donner un peu de gâteau parce qu'il a réussi quand même à reconnaître qu'il a eu tort. Je le disais dans l'introduction, il a partagé le Nobel de la paix avec Nelson Mandela. Quelle relation il a entretenue avec Madiba ? Ce n'était pas des relations aussi faciles, parce que quand vous avez par exemple un architecte, un geôlier et un prisonnier qui se rencontrent, on voit déjà que la différence des forces est vraiment du côté du geôlier. Et le geôlier, c'était qui? C'était F.W. de Klerk, comme on dit ici en Afrique du Sud, et Mandela, le prisonnier. Mais Mandela avait avec lui-même la force de la population sud-africaine et aussi un changement de l'environnement international qui a fait qu'ils ont réussi à trouver un partenariat qui a permis à l'Afrique du Sud de se stabiliser. Mais ce n'était pas aussi facile parce qu'il y avait un moment où il y avait beaucoup de tensions, mais quand même entre anciens combattants, ils ont réussi quand même à mettre l'Afrique du Sud à créer un pays comme l'Afrique du Sud et à le moderniser et à créer une constitution valable. Merci beaucoup, Kofi Kouakou, d'avoir répondu à nos questions depuis Johannesburg.